Allez, nouveau stand, on passe ici. Alors, bienvenue. Alors, on a trouvé le stand Ding Ding. On va être marquant, vous a parlé sur JT Geek. Donc, en fait, on a trouvé un manager qui est juste super sympa et très excité parce qu'en fait, il était tout fier de nous dire qu'il travaillait avec Guy Chana. Donc, quand on lui a dit, ah, vous connaissez Andy et tout, donc, on se connaît quand même un petit peu, on est en Chine. Alors, eux, sur le stand, ils présentent quoi? Le SK1, qui est un petit téléphone de 4,5 pouces. Ensuite, on a un deuxième modèle, le SK3, ici, qui est un modèle plutôt classique, hein, qui va pas vous faire vibrer, quoi, que ça peut être intéressant avec le lecteur d'empreintes digitales. Voyez un peu l'arrière. À mon avis, c'est juste pour monter et descendre, hein. C'est même pas le lecteur d'empreintes digitales. C'est juste monter et descendre un petit peu. Alors, on va regarder un petit peu les caractéristiques. MTK 192. Donc, voilà, une toute petite configuration, mais ce qui va être beaucoup plus intéressant, et ce qu'il nous a confirmé lui-même, c'est le Smashing Nuts, donc le Iron 2 et le Iron 3, où là, on aura un téléphone beaucoup plus haut de gamme, avec un Cormier Gorilla Glass, ici, trois couleurs, bon bah après, voilà. Ça sera surtout celui-là qui sera un peu plus puissant, et après, on aura enfin un dernier modèle avec le Fingerprint Unlock, qui ressemble étrangement à celui qu'on a vu chez Oukitel, hein, avec le TAP, bon, après, pourquoi pas, avec un téléphone qui est, à mon avis, qui reprend les empreintes digitales, et qui est plutôt sympathique. Il y a le Fingerprint Unlock ici. Con, ouais. Vous pouvez voir, et qui mange des noix, les mecs. Voilà. Donc voilà. Donc une petite présentation et tout. Voilà, c'est juste. Voilà. Ah oui, parce qu'en fait, voilà. Il vous fait voir qu'en fait, avec ce téléphone-là, vous pouvez casser des noix. Donc forcément, un foreigner qui est venu, il a fait ça comme un bourricot. Et il a explosé. Voilà. Un coup de fierté. Il a explosé le téléphone, forcément. Mais le téléphone fonctionne toujours. Mais bon, le téléphone est quand même parti juste en lambeaux. Donc pourquoi pas. Voilà, le but c'est de vous montrer que le téléphone est quand même bien résistant et qu'avec vous allez pouvoir casser des noix. Oh.